Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un décor qui change un petit peu, tout simplement parce que je n'ai pas installé mon setup de d'habitude. En plus là, il faisait beau, j'avais pas envie de me mettre dans le noir, tout ça. Donc voilà, je me suis mise... Attendez, le micro était un peu loin. Je me suis mise à la cool pour vous faire cette vidéo qui va être coupée en deux parties. Donc vous inquiétez pas, la semaine prochaine je serai exactement pareil. Mais en fait, si je ne vous filme pas les deux vidéos là d'un coup, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Déjà celle-là, je pense qu'elle va être postée un petit peu en retard. Parce que je suis en retard, j'avais pas mal de choses à faire, mais en tout cas j'ai bien avancé niveau lecture, donc il y a du contenu, mais du coup voilà, je filme les deux vidéos d'un seul coup aujourd'hui et vous aurez donc la partie 2 la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que j'ai lu ? Franchement, je me suis mise à faire quelque chose que je ne faisais jamais. Et en fait, ça fait du bien, même si je ne suis pas encore habituée avec l'idée, c'est de DNF des livres, donc c'est-à-dire ne pas les terminer. C'est quelque chose que j'arrivais vraiment jamais à faire. Quand je commençais un livre, il fallait que je le termine, même si je n'aimais pas, parce que j'avais ce sentiment de peut-être je loupe quelque chose, je ne connaîtrai jamais la fin. Du coup, je m'infligeais parfois de poursuivre jusqu'au bout des livres, pour lesquels je tirais aucun plaisir et c'était limite une torture. Bon, j'ai arrêté les frais et là, malheureusement, mon premier abandon, il s'agit de La princesse sans visage de Ariel Holtz. Pourtant, j'avais adoré Les sœurs Carmine. Voilà, c'est le même auteur. Mais là, je n'ai pas... Alors, je pense que je n'ai pas accroché parce que il n'y a pas de romance. Pour vous dire, ce livre-là, là, je l'ai ressorti parce que je voulais le relire. Je me suis dit, mais je ne l'ai jamais lu. Donc en fait, ça se trouve, je me demande si je ne vous ai pas déjà fait une revue sur ce livre. Parce que du coup, je l'ai lu et je me dis, mais attends, mais je la connais cette histoire. Et j'en suis arrivée à la moitié en me disant, mais je l'ai déjà lu en fait. Et je l'avais déjà abandonné à l'époque. Pour vous dire, donc voilà, peut-être que j'en ai déjà parlé, je me souviens plus, donc je vous en parle. Il s'agit donc de plusieurs royaumes, donc on est dans un royaume de fantasy. Il y a plusieurs reines et il y a notre princesse sans visage qui doit porter un masque parce que si on voit son visage, on meurt, c'est ça ? C'est une belle à mourir, voilà. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Donc elle a le visage caché. Elle a été élevée recluse dans la forêt, tout ça. Sauf que là, sa servante, enfin celle qui s'occupait d'elle, sa nourrice, ils sont tous morts, donc elle est seule depuis des années. Et un jour, il y a un type qui débarque et qui lui dit qu'elle doit revenir au royaume parce qu'il cherche une nouvelle héritière pour un royaume qui est en train de décliner. Et comme elle a des ancêtres concernés avec la monarchie, tout ça, bref, du coup, elle est prétendante au trône. Et ça se passe sous genre de casting et d'épreuves. Donc elles sont plusieurs, voilà, à faire une audition, je vais dire ça comme ça, pour devenir, pour savoir laquelle sera la plus méritante pour avoir le trône. Donc elle y va et elle va passer des épreuves, etc. Et c'est tout. Voilà, je n'ai pas plus à dire parce que je vous dis, j'ai décroché. Ça ne m'a pas, ça m'a pas transcendée. J'avais aucun attachement avec le personnage féminin. En plus, comme je vous dis, pas de love interest, rien. A priori, d'après ce que j'ai vu dans certaines revues, il y a vite fait un love interest. Alors, je ne sais pas qui c'est. Je ne l'ai pas vu hein, jusqu'à la moitié du roman. Ou alors je suis complètement passée à côté tellement que c'était subtil, mais voilà, donc je suis désolée, je pense que c'était pas pour moi, je pense que ça peut plaire à des personnes qui aiment juste la fantasy, avec un soupçon d'Hunger Games dans le délire, voilà, pourquoi pas, mais sinon, voilà, j'ai pas accroché, j'ai accroché à rien. Bon, ensuite, Stalk by Seduction and Shadows de Maggie Sensory. Je vous mets la photo, je l'ai lu sur la Kindle. Je l'ai terminé, mais alors c'est pas bon du tout parce que je n'en ai quasi aucun souvenir. C'est pas bon quand ça me fait ça. Il y a plusieurs tomes. Là, dans le premier... Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Il y a une jeune femme qui se retrouve... Ah oui, c'est ça. C'est une jeune femme, depuis qu'elle est toute petite, elle est observée par un vampire qui, je sais pas en fait, il bloque sur elle, petite, il l'écoute chanter, voilà, elle est solitaire, etc. Elle est pas comme les autres enfants. Et un jour, en grandissant, elle décide avec son meilleur ami de quitter son village. Sa sœur, les parents sont morts, elle vit avec sa sœur. Sa sœur est horrible avec elle, horrible. Du coup, notre héroïne décide de partir voyager avec son meilleur ami. Sauf que sa sœur se fait kidnapper. Elle se fait kidnapper par des vampires. Si mes souvenirs sont bons, hein. Elle, c'est une humaine. Il me semble que c'est une humaine. Je vous dis, ça ne m'a pas marqué des masses. Je crois qu'elle est humaine. Sa sœur s'est fait kidnapper. Et du coup, elle décide d'abandonner son voyage pour partir à la recherche de sa sœur. Donc, si mes souvenirs sont bons, les vampires kidnappent des humains, enfin des humaines, et il y a une espèce de trafic humain autour de tout ça. Donc, son meilleur ami le prend super mal qu'elle le lâche. Du coup, elle se retrouve à partir toute seule. Et en fait, elle se retrouve dans la ville dans laquelle vit le vampire, qui la regarde depuis qu'elle est toute petite. Et en fait, lui... maintenant, elle est grande, hein. Forcément, il est devenu attiré par elle. Donc, il va la suivre. Elle va se faire embaucher dans un bar dans lequel... Je crois qu'il est le patron du bar. Et voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, parce que juste... une attraction au-delà de tout, c'est dur de résister. Elle a peur de lui et en même temps elle est grave attirée. Lui il la veut mais en même temps il faut pas parce que je ne sais plus quoi. Et je crois qu'elle a un truc particulier. Je crois qu'il a senti qu'il y avait quelque chose chez elle. Enfin bref, je sais plus, c'est compliqué. Je vous dis, je l'ai lu il y a pas longtemps. Hein. Là, je crois que ça fait 2-3 semaines que je l'ai lu. C'est tout ce que je vous raconte là, c'est tout ce que j'ai imprimé. Donc il n'y a pas grand chose qui m'a marqué, si ce n'est que un vampire qui fait une fixette sur une enfant et quand elle devient adulte, se retrouve dans la même ville que lui. Pourtant, lui, il s'était juré qu'il ne voulait plus la voir parce que c'était une tentation. Sauf que là-bas, elle se retrouve dans sa ville à lui. Elle s'insigne, machin, nanin. Mais je me rappelle plus de l'enjeu, en fait. Alors, je sais que du coup, elle va lui demander d'aller chercher sa sœur, parce qu'il a du pouvoir, etc. Mais, à mon souvenir, les types qui font du trafic humain avec les humaines, justement, lui, il est en guerre avec eux, mais pour d'autres choses, je crois, un délire comme ça. Enfin, bref, c'est... Bon. Ça casse pas trois pattes à un canard. Franchement, sur les réseaux, tout le monde en parle. Je comprends pas la hype. Voilà, je sais même pas si je lirai la suite. Peut-être qu'en relisant vite fait en diagonale la fin du 1, je me remettrai un peu dedans et j'attaquerai, mais franchement, je ne pense pas. Voilà, je vais pas vous mentir, je ne pense pas. Il y a mieux. Ensuite, encore une déception. King of Wrath de Anna Wong. Alors, ça pareil, ça fait partie d'une saga. Tout le monde en parle sur le Bookstagram, TikTok, machin, anglophone, romance spicy avec des personnages. Dante Russo, je l'ai vu partout sur les réseaux, donc ça c'est le personnage masculin du livre. Je comprends pas la hype. Du coup, moi je l'avais acheté en audio sur Nextory. Donc j'ai écouté l'audio parce qu'à ce qui paraît, l'audio était génial. J'avoue que la voix du mec, elle est très agréable à écouter, mais déception. Du coup, j'ai retiré tous les autres tomes, la suite de la saga, je les ai retirés de ma wishlist. Je me suis dit, c'est dans le même délire, je ne poursuivrai pas parce que j'ai lu mieux. En espèce de romance mafieuse, j'ai lu mieux. Là, en fait, on est avec une femme, je ne sais plus son nom, mais ce n'est pas grave. C'est de la haute société, c'est des nouveaux riches. Eux, c'est des nouveaux riches, elle et sa famille, c'est les pires, hein, du coup. Et ils veulent lui arranger un mariage avec Dante Russo. Pourquoi ? Parce que son frère à Dante Russo, il a fait des trucs, il a fait des conneries, quoi. Du coup, la famille
de... comment elle s'appelle, elle ? Viviane. Le père de Viviane, il va en gros faire du chantage à Dante, à savoir, ouais, je dénonce ton frère à des gens dont il faut... Ah oui, c'est ça. Son frère à Dante, il a couché avec une femme. Il fallait pas qu'il touche à cette femme-là. Je crois qu'elle, elle appartient à un clan mafieux, tout ça. Bref. Et du coup, le père de Viviane le sait. Donc, il lui fait du chantage pour qu'il épouse sa fille, parce que Dante est un très bon parti. Donc, on part sur une histoire de mariage forcé. Voilà, plot qu'on a vu 150 000 fois. C'est pas très grave, sauf que... Alors, je ne sais pas si c'est dû à l'audio, parce que autant la voix du monsieur était géniale, mais alors la voix de la nana, j'ai pas supporté du tout. Elle est très, très collée montée, très... très, très bourgeoise en fait, même si encore une fois ce sont des nouveaux riches, donc elle n'a pas toujours connu cette opulence. Bah, elle a quand même des manières de bourgeoise en fait qui m'ont un peu gonflée, même si on essaye de nous la faire voir sous un autre jour à des moments avec des, ouais, je sais pas, des envies culinaires ou des trucs un peu plus lambda. Ouais, non, je sais pas, ça n'a pas marché sur moi. Je la vois toujours comme une bourgeoise et. Alors oui, les scènes de Spice avec Dante, elles sont pas mal, mais c'est quand même un slow burn. C'est pas très grave, encore une fois, hein, que ce soit un slow burn, mais... Alors je trouve quand même que c'est très slow burn, la relation entre eux. Et bon, Dante Russo, oui, je comprends pourquoi il a du succès dans la communauté des bookiches. Effectivement, le mec, il donne envie, en plus, encore une fois, en audio... C'est très très intéressant, c'est en anglais, hein, je précise. Ouais, c'est pas mal, mais bon, enfin, vu la hype qu'il y avait autour de ce livre, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Du coup, je suis déçue. Voilà, c'est tout simplement, oui, un mariage forcé qui donne du coup une romance sincère et réelle. Voilà, des petits enjeux. Donc, au début, c'est du chantage. Elle n'est pas au courant. Hein. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire quoi. C'était très moyen. J'attendais vachement mieux et je suis déçue. Bref, ensuite, alors là, franchement, je suis hyper étonnée du coup de cœur que je vais vous présenter. Parce que vous allez comprendre. J'ai commencé sur Next Story. Il y avait quelque chose qui ressortait souvent. Ça s'appelait Brutale Attirance. Ça s'appelle Brutale Attirance. Et je me suis dit, oh, on dirait un truc à la bitlit, etc. Et je me suis dit, bon, je mets ça de côté, un jour on verra. Et là, je sais pas, j'étais d'humeur. J'avais pas envie de lire, en fait. J'avais envie de me faire que de l'audio. Et il y avait tous les tomes sur Next Story. J'ai dit, vas-y, je tente. Et en fait, l'autrice me disait quelque chose chez Carotte. Je me suis dit, mais je la connais. Alors, autant vous dire que dès les premières pages, je me suis souvenue direct de qui c'était. Parce qu'elle a une plume très particulière, très crue, vulgaire, je dirais même. Et je me suis souvenue qu'effectivement, pareil, en audio, j'avais écouté mon invulnérable guerrier, je crois, un truc comme ça. Je vous avais dit que j'avais pas aimé du tout, mais que j'avais quand même été jusqu'au bout, mais que j'avais trouvé ça très mal poli, très cru, très vulgaire, très trash. Du coup, quand j'ai percuté qu'il s'agissait donc de la même autrice, je me suis dit ça m'a grave refroidi. Mais comme j'étais en train de faire mon ménage, j'étais en pleine session ménage, tout ça, j'ai quand même laissé l'audio tourner. Et en fait, déjà, l'histoire était complètement différente de celle que moi j'avais lue. Moi, c'était un espèce de truc, ça se passait au Moyen-Âge, je ne sais plus, avec des chevaliers et tout. Bref, là, c'est vraiment un monde de fantasy. En fait, ça se passe dans notre monde à nous, mais il y a une ville. Qui est je ne sais pas où, mais en gros voilà, c'est là où c'est plus la même chose que nous, mais il y a juste un pont à traverser pour aller chez nous les mortels, mais là dans ce monde là c'est magique. Donc on a des sorcières, on a des vampires, on a des fées et on a également des loups-garous et des hybrides. Alors les hybrides, ce sont des mi-vampires mi-loups-garous. Et donc, on est... Alors là, comment vous dire que cette saga, c'est un mélange, je trouve. Hein. Je vais vous dire Vampire Diaries, originaux, plus délire originaux. Donc un mélange de ça,
avec Hunger Games et encore slash Zodiac Academy ou Harry Potter, voilà, si vous ne connaissez pas Zodiac. Voilà, pour vous dire, je les ai achetés en papier tellement que j'ai kiffé. Ça, c'est le tome 2, pardon. Voilà, c'est là. Attendez, elle, comment elle s'appelle? J'ai pas dû oublier son nom quand même. Ludmila. Donc, Ludmila, elle intègre une académie où elle va apprendre à maîtriser ses pouvoirs, etc. Et cette académie, donc, il y a toutes les espèces qui y sont. Mais dans leur monde à eux, il y a quand même des codes à respecter. Hein. Alors, c'est le même président qui règne là depuis des siècles que c'est le même président. Donc, il y a des règles. Les espèces n'ont pas le droit de se mélanger. Bon, les hybrides, ils sont moitié loup-garou, moitié vampire. Donc, eux, ils ont plus de liberté, on va dire. D'ailleurs, c'est les plus puissants de tous. Mais par exemple, une sorcière ne peut pas être en couple avec un loup-garou. C'est carrément interdit par la loi. Donc, elle n'a pas le droit d'être avec un loup-garou, ni avec un hybride. Je crois qu'ils ont le droit d'être... Je ne sais plus s'ils peuvent être avec des fées. Je ne sais plus. Mais toujours est-il que Ludmila, elle est élevée par un père très strict. En fait, son frère, qui est un peu plus âgé, quand ils étaient enfants, il s'est fait tuer par des hybrides. Du coup, le père sorcier, hein, famille de sorciers, Ludmila, sorcier pur sang, important de le préciser, l'a élevé un peu dans la haine, enfin pas un peu, beaucoup, dans la haine des hybrides, particulièrement des hybrides. Donc, clairement, hein, Shay Carotte nous écrit une histoire sur le racisme pur et dur. Donc, quand Ludmila intègre cette académie, dans sa classe, elle va donc côtoyer des hybrides, des loups-garous, des fées, etc. Et son père la met déjà en garde. Je te préviens, tu te fais pas copine avec des hybrides, etc. Ni de petits copains, alors elle est vierge et tout. Donc tu nous ramènes un sorcier, quoi, rien d'autre. Oui, papa, nananana. Bon, sauf que là, il y a un tournoi qui a lieu. Tournoi auquel son école va participer, donc il va y avoir des présélections. Donc, c'est l'école eux-mêmes qui vont faire des équipes. Donc, dans chaque équipe, ils vont mélanger toutes les espèces. Donc, il y aura un sorcier ou une sorcière, une fée, un loup-garou, un vampire, tout ça, tout ça. Et elle va se retrouver donc dans le même groupe que Diego, qui est un hybride. Et tout de suite, eux deux, ça clash. Mais il faut voir les insultes qu'ils se balancent. Donc, ça ne colle absolument pas. Ils vont se cracher littéralement au visage. Et en fait, comment vous dire, j'ai été un petit peu gênée au début par la fameuse plume de l'autrice, comme je vous dis, mais j'ai su passer au-dessus. J'avais pas réussi avec le livre précédent, comme je vous disais, là j'ai réussi à passer au-dessus. Pourtant, il y a énormément de choses qui m'ont dérangée. Je sais pas comment vous dire, c'est... Des fois, on arrive comme ça, on tombe sur des sagas ou sur un livre qu'on va détester, mais qu'on va adorer. Vous voyez ce que je veux dire? Un rapport d'amour et de haine. Mais c'est exactement ça, en fait, que j'ai ressenti avec cette saga. C'est que je trouve ça très mauvais, pour plein de raisons. Et en même temps, j'adore, j'ai pas pu décrocher. Je me suis bouffé les 4 tomes d'affilée. J'ai mis les audios, j'en avais mal aux oreilles avec mon casque et tout. Après, je laissais, même mon copain, du coup, entendu. Il dit, mais de quoi ça parle, ce truc-là? Il était choqué parfois de ce qu'il entendait. Mais j'étais à fond, j'ai pas réussi à décrocher, donc j'ai dû les acheter. Et pourtant, comme je vous le dis, il y a plein de choses qui vont pas. Le langage, déjà, pour commencer, pourtant, il en faut beaucoup hein, pour me choquer. Mais c'est quand même très trash et très waouh. Et en fait, c'est pas que c'est très trash, oui, bon, si quand même, mais c'est que, on est d'accord, on parle d'une romance quand même, donc que nos deux amants se parlent comme ça, se détestent à ce point, s'insultent comme ça, et se fassent ce qu'ils se font, voilà quoi, ça va loin quand même. Et en plus de ça, ce que j'ai détesté, c'est le cerveau de Ludmila. Elle est d'une bêtise. Oh là 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 là. Alors, elle a le pompon de toutes celles que j'ai pu lire parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, les parents donc, l'ont élevée limite comme une bonne sœur.
donc elle ne connaît rien au rapport, etc. Mais c'est pas possible d'être aussi ignorante. Enfin, mais du coup, c'est drôle. Alors, c'est ça, si vous voulez, le truc, c'est que, en fait, tout ce que je n'ai pas aimé m'a fait claquer des barres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est que des fois, elle sort des trucs. Je peux même pas vous donner d'exemple parce que je veux pas, voilà, je veux rien spoiler. Mais des trucs tellement bateaux. Elle sait pas ce que c'est. Du coup, ça amène à des questions hyper bizarres, à des réponses qu'on va lui donner hyper bizarres et à des cheminements, elle, de pensée hyper bizarres. Et du coup, j'étais tordue. J'en pouvais plus. J'ai rigolé. Oh, alors attention, je vous préviens, les scènes olé olé entre Ludmilla et Diego, parce que du coup, c'est entre eux qu'il va se passer quelque chose. Relation donc interdite. C'est trash. Je vous préviens, c'est sale. Voilà. D'accord ? Voilà. Mais quand je vous dis que c'est sale, je vous dis vraiment, vraiment faites attention, c'est très sale. C'est sale. J'avais envie de gerber à des moments, c'est pour vous dire. Mais après, tu te dis finalement, c'est justifié. Donc, voilà, il faut vraiment accepter le fait que ce livre contient des choses sales, contient des choses trash et vulgaires. Voilà, il faut vraiment être très, très OK avec ça pour savourer l'ensemble de l'œuvre. Parce que du coup, j'ai quand même passé un super moment. Pour que je me les prenne en papier, c'est que j'ai surkiffé et j'ai même commencé à les réécouter. Je ne voulais pas partir de l'histoire, donc c'est quand même très bon signe. Mais je vous dis, c'est une énorme surprise parce que je ne pensais même pas que je serais le public visé. Je me suis dit, ah, peut-être que je suis trop vieille pour ça et tout. Non, je ne mettrais pas ça entre les mains d'un ado ou de... Non, surtout pas, c'est pour les plus de 18 ans, hein, bien sûr. J'ai kiffé, pourtant je me suis dit, ouais, peut-être que ce n'est pas de mon âge comme Zodiac parce que c'est avec des très jeunes dans une académie et tout. Mais non, non, comme je vous dis, en plus, il y avait ce délire à la Hunger Games, à la Battle Royale. Donc, il y avait des trucs, des enjeux. Et la relation, comme elle évolue entre Ludmilla et Diego, c'est vraiment une relation de haine. Alors, attention, je reprécise encore une fois, il y a beaucoup de trigger warning. On se demande très souvent si Ludmilla est réellement consentante. Attention, c'est très, très, très tordu. Mais c'était génial. Et pour vous dire quand même un petit peu plus de choses qui vous donneraient envie, sachez que au-delà de la haine que nos deux protagonistes se vouent et de ce fameux tournoi à la Hunger Games, il y a également toute une histoire de prophétie où quelqu'un, un voyant, il y a très longtemps, 2000 ans, je crois, en arrière, avait prédit qu'à cette époque-là, donc, une sorcière et un hybride tomberaient amoureux et qu'à eux deux, ils auraient un enfant, et que ce serait la créature la plus puissante sur Terre. Sauf qu'il y a un ennemi qui rôde dans cet univers qui est le plus puissant, lui il est tout. Il est vampire, loup et sorcier. Il a les trois. Donc c'est une aberrance, hein, mais il est là depuis très longtemps, et il ne veut pas qu'un nouvel être aussi puissant que lui voie le jour. Donc, déjà que leur relation est interdite aux yeux de la loi, première chose, mais en plus, il y a ce bonhomme-là qui ne veut pas que Ludmilla et Diego soient ensemble et qui donc veut tuer Ludmilla. Je vous laisse découvrir et dans la prochaine vidéo, je vous ferai des spoils sur la suite parce que c'était trop bien. Mais voilà, comme je tiens à vous le dire, cette autrice, elle a vraiment une façon très particulière d'écrire. Ça me fait un peu penser à Virginie Despentes. Je crois que c'est elle. Hein. Celle qui avait écrit Les Jolies Choses, Baise-moi, tout ça. Voilà, c'était... Pour l'époque, ça faisait un peu bizarre. Désolée, il y a le chat qui s'excite. Et ouais, c'est une plume crue. Mais encore une fois, voilà, là où j'avais pas réussi à vraiment passer au-dessus avec mon impitoyable guerrier, je crois, c'était ça. Là, j'ai kiffé. Mais Diego, quoi. Et pourtant, c'est là où je vous dis que c'est quand même incroyable, encore une fois. Tout est incroyable là-dessus. C'est que Diego, normalement, c'est, le vilain qui passe pas, normalement, avec moi. Il y a des trucs qu'il fait où je me dis, t'es sérieux, là ? Non, là, c'est le red flag, le gros red flag, le truc pour moi où... Mais je le kiffe. J'ai honte, mais ouais, Diego,
dans toute sa brutalité, dans tous les défauts qu'il a. Je l'aime autant que je le déteste. Voilà, c'est tout. C'est à l'image de cette saga. Voilà, je vais pas dire que j'ai aimé autant que j'ai détesté, parce que si, j'ai plus aimé. Mais encore une fois, c'est super bizarre le rapport que j'ai avec cette saga, parce qu'il y a tellement de choses qui ne me plaisent pas. Et pour autant, je les ai. Je les adore. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. C'est le quart d'heure de folie de mes chats. Donc avant qu'ils pètent tout, je vous fais des gros bisous. Je vais attendre qu'ils se calment et je vais vous tourner la suite. Je vous préviens, la semaine prochaine, il y a des lectures. Les gars, vous n'êtes pas prêts, parce que moi, j'étais mal. Très mal. J'ai fait des lectures très riches en émotions. On en reparle la semaine prochaine. Je fais des bisous. Ciao.